Alors, je lis dans certaines biographies que Jacques Halbron est un astrologue devenu historien. C'est des formules qui me sont extrêmement vaseuses et, disons, plutôt diffamatoires, si on peut dire. D'abord, je n'ai jamais été astrologue au sens professionnel du terme, déjà, ce qu'on laisse entendre en disant ça. Et deuxièmement, étant donné que je suis venu à l'histoire très très jeune, ça pose des problèmes chronologiques un peu compliqués de dire des choses pareilles. J'ai commencé ma carrière, mes études universitaires en 65, et là je ne faisais pas du tout d'astrologie, je ne connaissais même pas l'astrologie d'ailleurs. J'ai fait du droit, j'ai fait, etc., bon, on va revenir là-dessus. Et j'ai rencontré le milieu astrologique en 67, mais j'ai surtout pratiqué l'astrologie en fin de compte en Israël. Et à ce moment-là, je suis en retour d'Israël, je suis entré aux langues orientales, à l'Institut national à Nilalco. Et j'ai rencontré Georges Vaïda en 71, avec lequel je me suis inscrit pour une thèse de doctorat, que j'ai soutenue d'ailleurs en 79, et qui est parue en 85. Tout est assez long dans tout ça. Le monde juif et l'astrologie. Alors, dire que je suis astrologue, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire en vérité. Que je me suis intéressé à la recherche astrologique, en tant qu'historien d'ailleurs, puisque j'ai ma thèse de doctorat troisième cycle en 79, que j'ai préparé déjà depuis pas mal d'années, sur la problématique astrologique chez les principaux penseurs juifs du Moyen-Âge espagnol. J'ai dû m'inscrire en 73, après l'obtention de mon diplôme de l'école de l'INALCO, sous la direction de Georges Vaïda, avec lequel d'ailleurs j'ai publié, enfin qui m'a fait une préface pour un bon bouquin, pour ma traduction, mon édition des traités astrologiques d'Ibn Ezra. Bon. Donc, je crois que c'est malveillant de dire que je suis un astrologue passé à l'histoire. C'est tout à fait malveillant. Et je dirais que c'est diffamatoire. Non pas que je considère qu'être astrologue est une honte, mais dans le contexte universitaire, je pense que c'est assez fâcheux. Et puis, je rappellerai qu'en 1991, j'ai organisé un congrès à Londres en 84 d'histoire de l'astrologie au Warburg Institute, qui est un grand endroit pour les études ésotériques justement à Londres. Et en 91, à Paris, j'ai réuni pas mal d'historiens de l'astrologie et du prophétisme. Voilà, et ça, il y a d'ailleurs eu des actes, des colloques que j'ai publiés récemment. Donc, j'aimerais bien qu'on supprime ce genre d'allusions pernicieuses.